Il faut croire qu'ils ne se croisent pas que sur le parquet de TF1. Alors que la 12e saison de l'émission Danse avec les Stars s'est achevée le 11 novembre dernier avec la victoire de Billy Crawford, Denitsa Ikonomova et François Alu continuent à se croiser. Le hasard, sans doute. Les deux champions se sont tous deux rendus, le 13 décembre 2022, à l'avant-première du film Avatar 2, La Voix de l'eau, organisé au Grand Rex de Paris. L'occasion de tailler le bout de gras et de prendre des nouvelles l'une de l'autre, juste avant de profiter des 3h13 signé James Cameron. Bien sûr, Denitsa Ikonomova et François Alu n'étaient pas seuls à avoir été invités à l'avant-première de la suite d'Avatar. La guest list était longue comme le bras ce soir-là et le duo a retrouvé Flora Coquerel, Vaimalama Chavez et son chéri Nicolas Fleury, Elodie Gossuin, Alicia Ely enceinte, Laurie Tillman, mais aussi Titov, Nolwenn Leray, Nora Malagré, Marie-Sophie Lacaro, Gilles Alma, Stomy Bugsy, Philippe Cavé-Rivière, Laurie Cholewa, Maxime Tabar, Black M et sa femme Léa Djadja, Florent Père, Jean-Luc Lemoine, Boris Becker, Omar Mebrouk, Artus, Pascal Legitimu, Aurélie Konaté, Rafa Liem, Pierre Mauduit, Guillaume Canet, Denitsa Ikonomova, François Alu, Maxime Derimé, Kylian MSX et Catherine Apachot, Samuel Le Billan, Rem Kérissi, Lou, Christian Millette, Grégory Fitoussi, Cut Killer, Anthony Ruiz, Achille Magic, Rokaya Diallo, Sofiane, Julianne Bugier, Michael Gregorio, Jarry, Jérémy Dételot, Naïdra Yadi, Charlotte Hervieux et Cerise Calyx ou encore Guillaume Play. Une suite très attendue, le film Avatar, La Voix de l'eau fait suite aux aventures cinématographiques 3D lancées par James Cameron en 2009. L'intrigue de ce nouvel opus se déroule plus d'une décennie après celles découvertes il y a 13 ans, et se centre notamment sur l'histoire de la famille Sully, composée par Jake, Sam Worthington, Neytiri, Zoe Saldana, et leurs enfants. Rendez-vous, au cinéma, dès le 14 décembre 2022.